pied, mais c'est NGI, NGI pour Sarr, Sarr qui renvoie la surface, Ismail Assar, une fois, deux fois, la frappe de Sarr, il décale Aubameyang, il s'est raté, Soglo côté gauche, Soglo, le tir, goal, 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 1-0, Soglo le minot, elle est pas belle celle-là, elle est pas belle, tu l'as vu venir toi, un jeune du centre de formation qui marque. Soglo, pied gauche, il n'a pas tremblé. L'OM qui ouvre le score. Attention avec Ismail Assar qui va récupérer. Ismail Assar encore dans la surface. Ismail Assar en point de pénalty. Aubameyang qui va écarter pour Soglo. Soglo la frappe peut-être. Et le but pour Marseille. Le but de Soglo sur un super ballon, les gars. Super ballon de Aubameyang. C'est Soglo qui marque sur son premier tir. Premier tir et but à l'instant, les loulous. Le but à l'instant pour l'Olympique de Marseille. 1-0. Et Metz qui continue les largeurs défensives, c'est incroyable. Face à Rennes, il y a eu des carences énormes. Et là, face à Marseille, la troisième, les gars. La troisième est déjà la bonne pour l'Olympique de Marseille. C'est mérité, hein. J'avais dit, les premières quarts d'heure sera d'ici pour marquer le premier but pour Marseille. Voilà, ça a été le cas. Mbemba pour Klos. Ouais, Klos extérieur. Ouais, pour Ndiaye. Ndiaye qui la donne à Sarr. Sarr qui en a la surface. Jouer. Qui a toujours le ballon. Allez, ça frappe. Oh, allez, bah, frappe. Soglo, allez, Soglo. Goal, goal, oui. Et le but de Soglo. Master Soglo. Emran Soglo. Alors attends, je m'emballe pas, parce que. Oui. La dernière fois qu'on s'est emballé, on l'a pris dans le Troufignon, donc je m'emballe pas. J'attends qu'il le valide. Oui. Avec Chancel Mbemba, tout va bien pour le Congolais. J'adore ce joueur. J'adore ce Chancel Mbemba. Franchement, je trouve que c'est un joueur, pour ma part, un peu sous-côté, si je peux me permettre. Attention, je vais trouver maintenant pour Ismail Assar, le compte favorable. Avec le ballon pour Aubameyang, avec Soglo peut-être, la frappe en première intention. Le but. Le goal à fond de Soglo. Emran Soglo. Et voilà, c'est Marcelinho, les amis. Ce but incroyable, le premier match pour lui, la frappe enchaînée, le premier but pour Marseille, 1-0 pour les Marseillais avec ce superbe appel de Soglo, lui qui était vraiment au début d'une passe décisive pour Sarr au début du match, et là au bout de 13 minutes de jeu, 1-0, les Marseillais commencent très 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 bien cette rencontre, les amis, incroyable, franchement ça commence très très fort pour eux, 1-0 pour Marseille. Avec encore le ballon pour les Marseillais, Malenziai pour Saver, Ismail Assar côté pour aller passer, Ismail Assar énorme encore Ismail Assar dans la surface de réparation, Sarr vers Aubameyang vers Soglo, la frappe de Soglo, l'ouverture du score de Brad Soglo pour l'Olympique de Marseille, c'est énorme ce qui est en train de se passer, et Brad Soglo pour son premier match avec l'Olympique de Marseille en match officiel, si je ne me trompe pas, il doit être vraiment extrêmement heureux là, Emran Soglo, l'ouverture du score de l'Olympique de Marseille, signé Soglo. Sarr encore, ça lui réussit, la passe de Sarr pour Aubameyang qui resserre sur le côté gauche Soglo, le contrôle, la frappe, l'ouverture du score pour l'Olympique de Marseille, pour un service de Soglo, 1-0 pour l'Olympique de merveille, l'Olympique de Marseille, goal. Lamine Camara, Mbaye, la frappe, non, l'égalisation de Metz, un but de casquette, une frappe contrée, Lopez est pris à contre-pied, Savani qui égalise d'un partout, un but de casquette, les gars on s'en fout, on va marquer, ils sont à 10, on va les avoir. Si Marseille prend un but alors qu'ils sont à 11 contre 10, ça devient dangereux quand même. La frappe! Oh, le but pour Metz! La frappe de Savani! Elle est contrée! Elle va dans la lucarne opposée! Metz qui égalise! Alors que j'ai dit au même moment, il faut pas que Marseille s'en prend un! Égalisation de Metz! Un but partout! Oh là là, tout est rejoué! C'est fou! Oh, c'est fou là! Oh, et quand je dis que Marseille n'est pas au niveau, les gars! Marseille n'est pas au niveau malheureusement. Ah, il se laisse trop faire. Hein. Et elle est détournée par Rongier, je crois. Je crois que c'est Rongier qui la détourne. Sur un contre. Ouais. Ouais, c'est Rongier qui la dévie. Elle a lucarne. Hein.
La lucarne à l'opposé, là. Un but partout entre Metz et Marseille, alors que Metz, je rappelle, ils sont à 10 contre 11. Attention, les Messins qui vont entrer à l'entrée de la surface de réparation. Faut pas laisser frapper. Ouais, on est dessus. Ah non ! Oh putain, c'est pas. Oh putain. Et on n'a pas de chat en plus. Putain, on n'a pas de chat en plus. Et en plus, on n'a pas de chat. Il y a beaucoup de choses contre nous quand même, je trouve. Hein. Putain, c'est pas possible. Même ce match-là, il va nous échapper. C'est un truc de ouf. Putain, je vous l'ai dit. Contré par Rongier. Oh, et là tu vas voir, les anti-Rongier vont te dire tiens, tu vois, on t'avait dit que c'était de la merde. Putain, je suis dégoûté. Mbaye au premier poteau, au deuxième poteau, Yami Kosé de la poitrine, la reprise. Lopez s'est troué. Lopez qui prend un tir entre ses jambes. Et il y avait une erreur de marquage sur Mikosé. Metz qui renverse le match 2-1 pour Metz. Catastrophe. Catastrophe générale. Catastrophe. Lopez s'est troué. But entre ses jambes. Et on va revoir au ralenti qui c'est qui fait l'erreur de marquage. C'est Veretout qui est un peu loin. Ouais, Veretout qui est loin. Mikosé, reprise. Oh, l'erreur. Mais quel mauvais gardien! T'es nul, Lopez. Enfin, t'es nul. C'est que t'es pas au niveau de l'OM, Lopez. Lopez est nul à chier. C'est Lopez le responsable du but à 100%. Quelle cagade il a fait. Alors, il y a le gardien. Il y a l'arbitre. Il y a le manque de chance. Ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Putain. Le corner, plutôt bien tiré. C'est pas fini. Mikotadze, la reprise. Et bien, ah, le but pour les Messins. Marseille qui est en train de craquer. Le but pour Metz. Ça fait 2-1. Marseilleuse à bois alors que Metz est à 10 contre 11. Il marque. Oh, c'est incroyable, les Marseillais qui sont en train de sombrer encore. La même chose que face au Pana. Marseille qui mène à 0 et Marseille qui s'éteint. Et ben, ça fait 2-1 pour Metz. Oh là là, bravo les Messins. Parce que les deux buts, elles sont incroyables. Les deux buts sont beaux. Les deux buts sont beaux. Et Paul Lopez, là, par contre, est aux fraises. Hein. Paul Lopez, là, après, il y a le rebond juste avant, mais... Ouais, Paul Lopez, il est pas bon. Hein. Oh là 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 là. Il tente, hein. Il tente les messages, c'est récompensé, hein. Ça rentre. Attention. Allez, c'est parti. Attention. Oh putain. Attention, Mikotadze. Non, oh mais putain, monsieur. Et Paul Lopez, il se trouve. Mais qu'est-ce que c'est ce gardien? Mais c'est quoi ce gardien? Mais putain, mais qu'on arrête avec Paul Lopez. Je vous le jure, sur la tête de ma mère. Je le dis concrètement, il faut arrêter avec Paul Lopez. Paul Lopez, le mec, il a pris la confiance. Il a pris cette confiance d'être le titulaire indiscutable de cette équipe. Il ne vaut plus rien. Voilà. Il a foutu Mandanda à Rennes. Il s'est dit, je suis titulaire, maintenant, allez tous vous faire enculer. Oh là là, voilà. Ouais. Maintenant, c'est toi mais qui nous encules. Maintenant. Le plongeon qu'il fait, mais c'est catastrophique. Fils de pute. Regarde-moi ça, c'est catastrophique. Oh là là, c'est un plongeon de poussin. Oh là là. On va se faire battre par Metz à 10 contre 11. On est vraiment des trompettes. Aubameyang dans la surface, c'est contré. De nouveau Vitinha qui fait n'importe quoi. Mouguet, la talonnade. Klose, Vitinha, au 20 mètres. Klose à ses côtés. Klose, Harit. Putain, je croise les doigts là. Harit, Vitinha, pour frapper. La frappe. Goal! Puissant premier poteau, Okidja, il peut rien faire là. Il a perdu sa main, je crois, sur la frappe surpuissante de Vitinha, de partout. Et là, on va pousser pour gagner ce match. On va le gagner ce match. Raf, il a dit qu'on va le gagner. Ça ne peut pas être possible autrement. On a trop d'occasions, les gars. On a trop d'occasions. Allez, il reste beaucoup de temps. Au moins un quart d'heure à jouer. Vitinha qui égalise. Décisif en Ligue 1, hein, décidément. Et c'est vrai qu'il aimait bien cette frappe au premier poteau, de partout. C'est close. Ah, j'en ai marre de cet arbitrage, je te jure, j'en ai marre de cet arbitrage. Oh, Vitinha, Vitinha. Eh ouais, mais Vitinha, bouge-toi le cul aussi. Muguet,
Ça passe par-dessus. Klaus. Toujours Klaus. Arrête. On est trop arrêté. Oui, allez. Ouais, go. Attends, j'attends. Parce que le de Saras, il va siffler quelque chose. Non, mais là, attends. Hey, là, je parle à tous les gars. Là, il y a hors-jeu. Il va y avoir hors-jeu. Et ta gueule, il y a pas. 3 mètres derrière, mais maintenant la règle, il faut être à moins de 5 mètres. Bande de bâtards. Il est con, ce mec. Il est con. Putain. Il est con, ce mec.